Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui l'a, nous pral regarder, nous pral tendre vidéo ça. Non pas c'est Wendy Fell, petite bon Dieu, ça avec un pile plaisir, un pile amour comme d'habitude. Moi content retrouver mon micro là, moi porter une autre vidéo d'information pour nous. Il y a un greffier qui compte travailler de concert avec juge Chanlat. Juste ça, nous connaît, qui finalement, après 2 mois, choisi pour instruire dossier Jovenel Moïse là, qui mourit. Greffier mourit hier, et depuis matin, dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, ce dossier ça a fait actualité, et il y a un série de monde qui depuis avant hier a pas attaqué juge Chanlat, qui, façon yo parler, accusé juge Chanlat. Le fait qu'on est greffier a mouri, c'est après que le te fin non discussion avec juge Chanlat. Et sous réseaux sociaux, yo, nous connaît depuis ba ça a parlé comme ça, surtout il y a des médias en ligne qui habitué fait genre de travail ça qui a frappé et mais grand pile monde qui accusé juge Chanlat comme quoi c'est lui-même qui t'a fait assassiner et greffier. Qui ça bagala yé? En tout cas, dans l'émission ça, nous pral essayer pour des détails pour nous rappeler, mesdames et messieurs. Juge Chanlat, c'est un rare juge qui gagne là dans Port-au-Prince, qui après 1 mois depuis Yotefine assassiné président Jovenel Moïse Lakaeli, prend courage dit à demain, il dit dossier ça, bon, moi-même, moi choisi, prends et me pral instruire à faire, me pral essayer, ouais, qui ça gagne la dalle. Et depuis là, citoyen ça fin prend dossier ça, c'est pas des attaques l'a subi, hein, c'est pas des attaques l'a subi dans radio conseil de nèg cap frappé de nèg qui a goumé justement pour protéger système ça. Système ça nous connaît qui touyer Jovenel Moïse Jean yo touyer là. Et bien mesdames et messieurs, nèg yo profité de l'homographie ça, nèg yo a frappé juge Chanlat. Est-ce que juge Chanlat mouri c'est assassiné yo assassiné le? Dans vidéo ça nous pral pote une photo pour nous pral montrer une photo hein une photo qui montrait que depuis dans la journée juge Chanlat li te gen ti problème parce que monsieur t'a passé dans une zone il y a un gros coup de balle qui t'a tiré dans zone là il y a un gaz lacrymogène qui t'a tiré et monsieur son œil qui malade monsieur il est asthmatique. Et nous pral montre juge là t'es en difficulté. Et puis après, n'a vinn avec des commentaires. N'a rappelé juge là mouri et conseil de monde dans système, non? Dans système judiciaire qui parlait qui fait connait c'est assassiné ou assassiné monsieur. Le fin dit c'est assassiné ou assassiné, yo fait connait dans la presse greffier li mouri c'est après que t'es fin non discussion avec juge Chanlat. Tout ça entrer dans des manœuvres pour que yo capable finir avec juge Chanlat ça pour que li ka démasquer dans dossier Jovenel Moïse. Arrêtez connecté la vin avec plus de détails. Hier nous te promet tout, nous te dit nous t'a pral fort tendé maître Coq qui t'a parlé qui a défendu tête li k'ap dit que l'innocent. Parlant de madame Coq, gagne doyen tribunal première instance à Port-au-Prince là, juge référé qui te recevoir en série de actions que avocat Mounsa a fait, avocat Madame Coq, avocat Pasteur, avocat Balthazar, tout le monde a fait des actions. Et doyen te bay rendez-vous aujourd'hui pour le statut. Mounsa, avocat Mounsa a demandé pour que yo capable annuler mandat qui a circulé derrière Mounsa. En tout cas, doyen te bay rendez-vous aujourd'hui avant l'émission finie, n'ap konnen est-ce que doyen li statue ou pas. Sou nouveau sous chaîne YouTube ça n'ap djou, merci parce que vous visitez nous et pas quitter chaîne nan sou pas abonné. Sou abonné déjà ou en dan famille. Merci parce que ou getan like vidéo ça ou commenter et ou partager avec zamou sur WhatsApp, sur Facebook, Messenger etc. un peu partout comme ça ou fait famille grandi plus. Merci infiniment pour love là. Wendy Fell petite bon Dieu, remets-nous en pile, en pile, en pile, en pile. Merci, merci infiniment. Ok, nous allons attendre un responsable, hein, un responsable, une association qui a défendu, doit griffier dans le pays d'Haïti, qui t'a parlé matin sur Radio Magique 9 et elle t'a détaillé
sous Rambo Greffier. On a fini de l'émission et puis on a vu la photo. Nous capable vu la vidéo pour nous montrer dans qui est Greffier hier dans la journée. Et puis on a vu avec des commentaires. Entendez qui ça le dit. De jour en jour, m'a faut comprendre le système ça plus toujours. Merci parce qu'on fait confiance. Entendez. Et citoyen qui t'a parlé, c'est un responsable. Pas oublier, citoyen qui est un greffier, même j'ai une association magistrat dans le pays, il y a association ceci, cela, avec une association greffier également. Entendez qui t'a parlé, puis on a retourné pour des commentaires, on a retourné pour photos, vidéos, pour nous montrer qui situation justement que greffier a été hier avant que lui témoigne. Entendez. Bonjour Robinson Geoffroy et bonjour tout panel magique là et bonjour avec tout greffier, tout huissier comme parquet qui dans le système quel que soit grade, quel que soit genre, qui gagne quel que soit juridiction qui appartient ou bien quel que soit dans le cours ou bien dans première instance. Et nous saluons tout magistrat assis avec des bourgs, quel que soit grade, avec quel que soit genre, you, qui est dans le système judiciaire là. Bonjour avec tout auditoire là. Ça ou qui c'est Kounia là, c'est assassinat, bon c'est la mort, vous parlez de c'est assassinat ou pas, Ernst et la fortune, ou dit c'est un assassinat. Expliquez-nous toute l'histoire de discussion des vives, discussion des intégrés à Juge Charlotte jusqu'à l'emboli. Bon bien, hier matin, greffier Ernst, il était au travail. Il a travaillé dans le bureau. Là, où il est, nous ne savons pas qui s'est passé et qui s'est à la base. Ça semble que il y a une dispute entre lui-même avec le magistrat, à tel point que, depuis hier matin, il a commencé à faire un terre pour mettre un dossier que lui-même il a travaillé ensemble avec le magistrat dans la instruction ça, et pour lui-même pour être capable de quitter la chambre d'instruction qui est dirigée par le magistrat Mathieu Chanlat. Nous connaissons qui a peine désigné comme magistrat qui vient pour lui mener enquête sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et tout de suite après le fin de travail, il a pris une direction la CAE de Carrefour. Et puis, au cours de route, nous, par contre, qui s'accrivait exactement. Et puis, il y a des inconnus qui arrivaient à prendre un collègue qui était mené à l'hôpital général. Il y a arrivé à l'hôpital général. Il a semblé que vous avez une pièce sous l'hôpital, vous fait dossier pour lui. Et puis, il a abandonné dans la chambre. Et pendant qu'il a abandonné dans la chambre, il a trouvé la molle. Il a trouvé la mort. Égal jusqu'où nous gagnons de la mort assassinat, ça n'est pas clair pour nous. Et c'est ça qui fait que nous qualifions l'idée d'assassinat parce que le regard des corps où est son corps assemblé qui prend cartouche. Et même le c'est pas ta cartouche, c'est ta gaz qui nous gêne, même bien nous avons été dit au premier capitaine, il est allé dans l'hôpital général. Et s'il vivait dans l'hôpital général, il a choisi pas mal soin, peut-être seulement partager une pièce sous lui, égal, c'est un assassinat. Et c'est toutefois tout ce que plusieurs cartouches qui t'a recevoir, c'est un assassinat. Et on a rappelé nous, côté que gagné deux greffiers déjà qui étaient participés dans le constat. Dans le constat, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, qui a subi un peu de menace, qui s'est greffé Valentin Martin avec Walki Finostène, nous avons demandé est-ce que c'est par rapport avec dispute qui était gagné avec magistrat comme c'est un vieil homme lié et puis qui t'a occasionné la mort, là, ou bien qui t'a vienne empiré par rapport avec gaz lacrymogène, nous t'a dit, qui t'a pris dans Jean Matissan, là, est-ce que c'est tiré, il t'a tiré, est-ce que c'est quelques bagages qui t'a demandé là pour t'a fait dans le dossier, les pavres fell et puis assassiné là, tout ça. Nous, on dit gens drôles pour nous pas faire comprendre. Et c'est la raison qui fait nous demander avec le commissaire du gouvernement pour Presse, magistrat Bedford, pour l'État ouvrir une enquête dans pressé pour déterminer cause que le collègue là lui-même a trouvé la mort. En pile question posée là qui n'a pas de réponse. Mais maintenant, préfet Ernst La Fortune, c'est sur machine LDE ou bien la machine publique? Oui, c'est la machine publique l'été. Et puis pendant que les mêmes entré la KLI, parler du site de Bourgogne, tout le temps entré la KLI dans le Carrefour. Ok, on dit que c'est Zone Matissan, c'est arrivé. C'est par rapport avec rumeur, nous avons décision de Matissan, parce que nous qui te prenons mener l'hôpital, nous parlons de nous qui côté, nous pas connaissons, c'est des inconnus, nous par contre qui côté te prendre, qui côté ça arrivé, mais c'est rumeur qui dit que l'État semblait, l'État prend gaz dans Zone Matissan.
mais nous-mêmes jusqu'où nous sommes pas capables de vérifier parce que nous parlons avec une cousine ni, qui est secrétaire dans le tribunal premier instance pour Port-au-Prince, jusqu'où nous sommes dans l'hôpital général là, il n'y a pas encore une juridique qui peut verbaliser et qui peut faire constat cadavre là, et qui nous pas encore connaître exactement qui côté nous sommes joints et puis côté mener l'hôpital général là. Mais on va poser. Oui, et M. Élie Martin, on dirige une association de greffiers qui est très important. Et on va penser qu'on légèreté dans et conclusion qu'on a un coup fait pour dire que son assassinat. Non, pas légèreté là-dedans. Non, parce que jusqu'à présent, on n'a pas en mesure pour dire dans quelle circonstance les mourir. Est-ce que c'est balle libre? Est-ce que c'est gaz à qui mouge libre? On pose plus de questions qu'on a une réponse, M. Martin, alors que vous qualifiez d'assassinat. Ok, bien. Moi, je dis que il y a des inconnus qui peuvent être mis à l'hôpital général. L'élève de l'hôpital général, sous prétexte que par une pièce sous lit, qui n'a pas mal de soins que cal nécessité. Égal, même là, c'est balle libre au coup de l'hôpital général, si on n'a pas le premier soin, peut-être qu'il était capable de pas mourir, si on n'a pas le cal. Et juste après, il y a un chambre de jusqu'à l'hôpital, il y a un chambre, ça fait quand même procéder avec constat. Et depuis hier après-midi, quelqu'un fait a cherché partout côté dans la zone métropolitaine, n'est pas capable de venir. C'est au cours de la nuit qu'on crie qui l'arrivée à l'hôpital général, ils ont dit que crie en dans la chambre et puis ouvrir semblant, ils ont venu à terre, couché, abandonné dans l'hôpital là. Sous prétexte que je n'ai pas de joint, yes, je me débarrasse. Ça veut dire que toutes quatre figures n'est pas qualifiées d'assassinat. Même les pattes qui mourent, quand tu es prêt à l'hôpital, mais arrivé à l'hôpital, là, abandonné le long champ, ça ne peut pas confirmer sous prétexte que je n'ai pas de pièces, que ce sont assassinats. Nickel. Maintenant, M. Dematé, qui nature dispute ou avec expliqué que la fortune de gain avec juge Mathieu Chonat qui a fait instruit aussi assassinat président Jovenel Moïse? Qui nature dispute ça? Son greffier qui a travaillé avec Julie Mathieu Chanlat depuis un bon nombre de temps, depuis environ 9-10 ans, c'est lui qui a un bon nombre de temps depuis qu'il a travaillé ensemble avec Julie Mathieu Chanlat. Et nous connaissons, il travaille déjà dans plusieurs gros dossiers, tels que le dossier de la Sogénère, le dossier des Malocs, et que nous ne connaissons pas la nature de la discussion exactement, mais que Tego discute quand même à tel point que greffier, les mêmes inventaires, il a fait pour remettre tout le dossier et pour le mais on copie dans l'inventaire là pour le mettre en copie avec. En chef là, parce que de destruction et d'après information que nous avons tout que Maïssa Mathieu Chanlat qui commencé par consulter l'autre greffier qui a pourvu travailler avec la chambre de destruction pendant que greffier lui-même était encore dans la chambre de destruction qui lui-même l'a dirigé. Est-ce que selon le principe, magistrat qui a fait sur un dossier dans la cabinet de destruction est capable de décider de travailler avec tel greffier qui est ensemble avec lui et que lui voulait changer de greffier? Effectivement, ni greffier ni magistrat ou tout est capable de choisir que ou pas capable de cohabiter encore ensemble. Magistrat capable de choisir que greffier ça lui pas sentir le confortable avec pour travailler ensemble avec lui. Le ça lui a écrit doyen hein, pour demander doyen pour doyen désigner on l'autre greffier pour venir travailler avec et puis doyen lui même cap passer l'ordre avec greffier chef là pour greffier chef là désigner le greffier pour travailler avec magistrat lui ainsi. C'est comme ça tout greffier est capable de sentir tout le greffier en chef là, soit que les fonds disponibles, il est capable juste désigner de l'autre greffier pour aller travailler avec maïsien instructeur là, parce que si on est ensemble, il n'est pas senti confortable, il n'est pas capable de travailler, parce que je connais si plus pour partenaire qui peut travailler dans la chambre d'instruction, parce que quand le bagage a fait ensemble, et on va faire l'acquisition, qu'on va faire le bagage ensemble, il faut qu'il soit capable d'investir toute confiance dans l'autre pour être capable de travailler ensemble, non, pour instruire aussi au niveau de la chambre d'instruction. C'est une juridiction spéciale qui c'est la, une chambre d'instruction. Maintenant, le juge Chanlat a peine pour un dossier, après un dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pourquoi, à mon avis, il y a trop grand et bagaille pour que le juge et greffier et la fortune qui t'a fait inventaire? Est-ce que c'est inventaire d'affaire sur l'autre dossier qui t'a servi avec les magistrats ou bien c'est inventaire d'affaire qui t'a inclus là dans tout le dossier qui fait rentrer là sur l'assassinat président? Non, c'est inventaire d'affaire qui concerne tout dossier qui est dans la chambre de discussion pour l'aller. Y compris dossier président Jovenel Moïse, et tout l'autre dossier qui est dans la chambre d'instruction, la font inventaire égal pour toutes les chambres d'instruction. Ok. Bon, bien, merci beaucoup, Élie Martin. Nathan, tu as fait sur le dossier ça, sur la mort de fier Ernst Lafortune. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Benson Jeffroy. Comme depuis hier soir, le dossier a fait la mort, ça qui te préoccupe nous. Égal, automatiquement, nous venons du nouveau. Nous croyons que nous avons fait au courant. Égal, pour nous, mais qui ça nous vient de plus. Mesdames et messieurs, nous t'attendez, il y en a responsable association greffier dans le pays d'Haïti, Élie Martin, qui t'a répondu à la question
Magique 9 matin, il t'a parlé, monsieur déclaré c'est assassiné ou assassiné greffier. Et immédiatement, monsieur t'a fini parler, il t'a fini dit ça que il t'a dit, ben rapidement. Et une série de médias en ligne qui rapportaient ou bien qui écrit, qui fait comprendre que eh bien juge là c'est un suspect lié dans la mort griffier. Juge là ça encore une fois m'a rappelé système n'a commencé bataille contre monsieur depuis avant hier. Parce que tout simplement, il a accepté et pas fait partie de Juissa au Cap Marron pour faire travail que Oguin pour faire. Ok? Juissa, il a décidé, il prend dossier Jovenel Moïse après plusieurs, t'es fini refusé, hein, t'es fini refusé et prend dossier. Ah ben lui-même, il dit, bon, m'a prend dossier ça, et donc, moins pas coupable de justice, moins pral instruit à faire. Depuis le ça, monsieur. Commencé à pas recevoir des menaces dans la radio, des attaques. Il y a un Pierre Espérance, par exemple, qui a attaqué. Il y a un Samuel Madistin, un pilote nègre qui a attaqué parce qu'il estimait que monsieur n'est pas supposé prendre un dossier. Mais avec l'homographie, il y a un pile monde qui tout profité attaquer le juge là. Il pourrait dire que monsieur sont suspects. Il a même fait comprendre que le greffier a mouru après le fin de discussion avec le juge Chanlat. Sauf que selon des photos, vidéos que nous-mêmes nous joignons, ah ben, greffier a dit qu'il y a un petit problème depuis dans la journée. On regarde les photos ça, derrière moto ça, hein, des citoyens ça qui sous moto a ou après un monsieur chita avec un maillot gris tête yatin. Ah ben c'est greffier. Greffier a te pren gaz et li asthmatique, li te en difficulté depuis dans la journée. Et nous même gen des petits vidéos qui viennent joindre nous qui montrent comment ça te y est. Et n'après que effectivement Greffier li te problème parce que li te asthmatique. Si nous croyons, si nous gardons ça nous dans photo et puis nous analyser avec déclaration que citoyen ça que tu parler a fait, n'après gain on un un citoyen a parlé, il fait qu'on est, il arrive avec Greffier à l'hôpital, il y a un bagage qui semblait à balle. Bah quoi nous-mêmes haïtiens nous imbéciles assez si que yo touye on moun par balle, si c'est balle moun n'importe pour ne pas connaître si c'est balle ou elle pas. Nous pas imbéciles assez. Ouais, nous vraiment et pas imbéciles assez pour que nous pas comme si nous pas faire différence entre balle à l'autre bagage. OK? Donc c'est clair. Et malgré autopsie beaucoup faite, ben il a déclaré que c'est par balle monsieur a mouru, etc. Nous-mêmes nous portons photo pour nous, nous capables well, juge là t'es en difficulté maintenant. Est-ce que c'est par balle que le mouru n'attend pour nous qui ça passé? Mais monsieur, nous méchants. Nous méchants, le n'a essayé chercher comme si créer un lien entre un mot citoyen greffier avec juge Chanlat qui acceptait prendre dossier. N'a pas rappelé si l'autre juge était accepté prendre dossier Jovenel Moïse, c'est pas non, mais juge Chanlat que le t'a trouvé aujourd'hui. OK, et nous méchants un peu moi je comprends ça n'a faire parce que nous voulons assassiner bon, de toute façon nous touyer la façon que n'a parlé à et nous connons ça n'a faire parce que greffier ça c'est un greffier qui est important puisque dossier Jovenel Moïse avec un pilote dossier ben éventuellement t'a trouvé énorme li. Donc, nous connaissons ça n'a fait. Hein, ça entraîne une bataille que nous menons pour que Jovenel Moïse, avec un pilote, ne pas joindre justice, a un problème. Mais, on finit avec méchanceté. À un moment donné, il faut que la vérité, lui, mette menti de côté pour que nous fassions peuple à ouais, barayo, gens que peuple à supposé ouais. Ok, monsieur. Donc, lui, inadmissible, et ça n'a fait. Juge Wendell Cork, juge à la ancienne juge à la Cour de cassation, nous connaît qui impliqué jusqu'aux os, bien qui t'a impliqué jusqu'aux os et non dossier assassinat Jovenel Moïse selon en pile information qui sortit dans enquête là, ben juge ça a publié un message côté la parler, côté la fait qu'on est lui-même c'est
persécuté a persécuté etc etc en tant et puis n'a pas retourné puisque il gagne audience qui était faite dans tribunal Port-au-Prince hier et ben gagne doyen tribunal pour instance Port-au-Prince qui était ordonné à avocat pour te déposer pièce il t'a dit que résultat ou bien décision que la prend la communiquer aujourd'hui en tant juge coque et puis n'a pas retourné pour les détails concernant décision que doyen lui-même l'état supposé prend aujourd'hui ou bien demain si Dieu veut. Entendez, juge Koch qui tape et parle, écoutez, il tape défendre tête li pour le dire, c'est persécuter, à persécuter politiquement. Entendez. À qui je veux l'entendre décrire Wendell Coctello, juge à la Cour de cassation de la République d'Haïti, professeur aux universités, formatrice à l'école de la magistrature. Je me trouve actuellement dans une situation extrêmement difficile. Oui, on est en train de me poursuivre maladroitement pour des causes que j'ignore, question de persécution politique. En effet, dans l'affaire qui m'oppose au commissaire du gouvernement, on est en train d'assister à une instrumentalisation du commissaire du gouvernement après le tribunal de Bonnens, de Port-au-Prince et de la police nationale par le parti politique PHTK. Qui peut assouvir sa soif de pouvoir à manipuler l'opinion politique nationale et internationale en me pointant du doigt, tantôt comme complice, tantôt comme auteur intellectuel de l'assassinat de feu, le président Jovenel Moïse. En ma qualité de juge à la Cour de cassation de la République, la Constitution du pays dit clairement que je suis justiciable en devant la haute cour de justice. Pourtant, le commissaire du gouvernement Bedford Claude a émis en violation de la loi, en violation systématique des articles 24 et 24.1 de la Constitution en vigueur garantissant et protégeant la liberté individuelle, un mandat d'arrêt en dehors des cas de flagrant délit, contenant des charges parfaites de vol en main armée, de tentative d'assassinat, etc. Donc, ma vie est menacée. Mes parents et même certains de mes alliés se trouvent en situation difficile parce que cela vient d'être victime de perquisition illicite de leur maison par des hommes en cagoule. Même mon frère qui a pris ma défense de conseil avec d'autres confrères n'est pas épargné. J'apporte un démenti formel à toute cette machination politique orchestrée par le pouvoir en place de concert avec certains dirigeants de partis politiques pour me nier dans cette affaire. À présent, je fais appel à la solidarité de tous les magistrats assis et debout, de tous les avocats, les associations de magistrats, les associations de défense des droits humains pour m'aider à sortir du marquis, car qui aurait imaginé qu'en 2021, Haïti pourrait se trouver dans cette situation. De plus, un avis de recherche est lancé contre moi par la police, de quelle avis me semble que je suis armée et dangereuse. Quelle infamie pour la justice haïtienne. C'est triste pour voir la magistrature se trouver dans cette situation, car les agissements de la police et du commissaire du gouvernement ne sont pas valides. Le commissaire s'est arrogé le droit d'interdire mon départ, tant par terre, mer, tête, etc., alors que la loi ne lui attribue pas ce pouvoir. Donc, ma situation est extrêmement difficile. Il faut m'aider à sortir, donc je ne sais en réalité quoi faire, puisque malgré les dommages judiciaires que j'ai entamés, on ne veut même pas prendre siège pour me retirer dans cette situation. C'est pourquoi je demande à tout et chacun de faire ce qu'il peut pour que l'union soit faite autour de cette question. Mesdames et messieurs, nous attendez. Ancienne juge Wendell Koch qui t'a parlé. Bon, madame Nap, prends-nous pour
Voilà, il a parlé en tant que juge à la Cour de cassation. Madame Coq, Mabdou, pas juge à la Cour de cassation encore. Qu'on décision qui te prend côté au pousseau à la retraite. Maintenant, c'est à la Cour de cassation qui peut décider. Hein, c'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de statuer. OK, puisqu'on te fait un recours, puisque nous vivons dans l'état de droit, l'on décision prend compte tout. Bon, là, me dit état de droit entre parenthèses, parce que c'est non brigandage que nous vivons. Et ben, où t'es fait un recours devant la Cour supérieure des comptes, en attendant la Cour supérieure des comptes, qui ça va le dire? Est-ce que la Cour supérieure des comptes va le dire qu'il faut qu'on retourne dans place où, au niveau de la Cour de cassation, malgré, hein, malgré et implication présumée ou non de l'obéi qui a passé dans le pays? Bon, on pas connaît. Mais pour l'instant, on pas juge à la Cour de cassation. La Cour de cassation pas gagné comme juge. Li clair sous dossier ça. OK? Li clair. Donc, pas prendre moun pour imbécile. Et puis, juge là. Là, le matin de moun sa yo, Madame Coq, Maître Messène, kap parle, Maître Messène, dernièrement, kap ba interview à Gavalero yo, Maître Messène, pa même moun sou ki constitution que nap viv. Ok? Maître Messène, pa même moun sou ki constitution nap viv, à tel point, la parle, et puis la rale des articles qui n'existent plus. Et puis l'obtenez Madame Coq, qui font comprendre que, bon, bref, tenez Madame Coq kap parle. Façon de parler, c'est comme si Mdadou, yo baril la, tout yon moun, en flagrant délit. Eh ben, faut qu'il toujours été juge dans la Cour de cassation, malgré par un parlement. C'est du n'importe quoi, ben, elle tape trop facile. Ben, elle tape trop facile. En tout cas, qui s'est prêt à le passer, juge Bernard Saint-Ville te baille rendez-vous jodia pour te prendre décision que la prend sous dossier ça, pour qu'on ait est-ce que la annule mandat que la police la guide, hein, Madame Coq, hein, sous dossier assassinat Jovenel Moïse. Jusqu'à maintenant, pour qu'on dise, hein, est-ce que finalement juge la pral annule mandat, nous pour qu'on ait, n'abtonne, mesdames et messieurs. En tout temps, faut que nous disons, il y a Ariel Henry qui a cherché accord politique. Un document que nous joignons. Dans le document ça, que l'équipe Ariel Henry a préparé, ben, nous joignons des bagailles qui montrent très clairement qui ça Ariel Henry a cherché, mesdames et messieurs. Dans le moment, Ariel Henry dit qu'il a cherché un accord politique. Dans l'accord politique, ça, ben, il fait qu'on est, selon, en tout cas, document que je joignais, document que je lis, document que je lis maintenant, selon proposition accord politique, ça, ben, Ariel Henry fait qu'on est, ben, c'est lui-même hein, qui a chef pouvoir exécutif là jusqu'à ce que l'élection fin faite et que l'autre président qui prend pouvoir pour que l'autre gouvernement. Selon même proposition à cause que Ariel Henry, équipe Ariel Henry a prédigé, ben, il est question d'une de notre conseil électoral provisoire. Et puis dans l'accord politique ça, depuis au signé, c'est comme si Mdadou groupe moun qui va le signer comme ça a bay Ariel Henry pouvoir pour que il capable réviser, annuler on sait le décret que Jovenel Moïse te prend et mesdames et messieurs, OK? Il a tout gagné pouvoir tout pour le conseil de l'autre décret cap qui force de loi etc. Et puis, dans la proposition d'accord, ça, Ariel Henry dit, gouvernement que l'a gagné, hein? Gouvernement ça, l'a gagné, pouvoir pour le restaurer, autorité de l'État, etc., etc., lutter contre la corruption, la contrebande, l'impunité, l'insécurité, etc. Sauf que, Ariel Henry, faut qu'on comprenne que, bah, moun kap vin accepter qu'on passe 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an là, sous pouvoir, sans que l'élection pas jamais faite. Faut qu'on comprenne ça. OK? OK? Dans la proposition à quoi ça a que le fait, hein? Et li marqué noir sur blanc, que une fois que vous fin signé à quoi ça, c'est comme s'il y a bal pouvoir pour que li révoquer des ministres pour intégrer d'autres ministres dans le gouvernement, etc. C'est ça, dans le pays d'Haïti, n'a pas eu l'obéi ça. Bon, déjà, si nous avons un pays qui est respecté d'être, nous ne pouvons pas dans l'obéi ça, que nous y là. On sait de nègres radoté tant qu'on André Michel et tant qu'on Chile lui de tant qu'on ban nèg qui dans opposition yo pas ka gen plus pouvoir que l'État. L'État t'a organisé les gens que le capable pour le dire élection a fait telle date telle date telle date on est ou pas vle à l'élection ou dormi d'ailleurs yo programmé élection ou vle à l'élection. Ou aller ou pas aller dans l'élection retenant quoi mais si toutefois l'élection t'a fait tu prends et vous pensez vous prendre faire des ordres etc. Il y a jugé et puis il y a foucou dans pénitentiaire national
qui t'a fait grimace. Bon, bref. En tout cas, moi, je m'apprête là. Et rendez-vous plus tard pour l'autre vidéo. Je suis content de rejoindre nous. Sous pourquoi abonner. Encore une fois, merci. Hein, Fel Kounia. Et puis, partagez vidéo nous. Hein. Vidéo nous. Hein. Donc, merci en pile pour l'amour que nous gagnons pour chaîne YouTube. Ça. À bientôt.